Gilmour, autre grande star de la musique, guitariste du Pink Floyd, qui à présent se lance dans une carrière en solitaire, lui aussi a réalisé un clip, lui aussi nous en parle. Qu'est-ce qu'on voit là? Un vidéo. Ça, c'est un vrai film, non? C'est un vrai film, mais c'est pas très de longue durée, 3 minutes. Ça fait comme un vrai film avec un générique au début. Ouais, mais ils ont souvent ça, mais souvent ils coupent ça quand on le voit au télé. À quoi est-ce que ça vous sert, vous, un vidéoclip? Comme pour tout le monde, ça sert à que les gens savent que j'ai un disque qui est sorti. Aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus important pour la promotion d'un disque, c'est ça? En Amérique, certainement, oui, je sais pas où, ici en Europe. J'ai écrit le scénario. Le scénario, et après je l'ai écrit mieux avec le directeur. On a changé des petites choses. C'est un travail de cinéaste que vous avez fait plus que de musicien. Je suis multi-doué. Bon, on voit des danseurs, on voit des décors. Ça a dû coûter cher, ça. Oui. Quand j'ai écrit tout le scénario, j'ai jamais fait ça avant. Alors je sais pas combien ça coûte, ces choses comme ça. Et je l'ai écrit, et puis je l'ai montré au directeur. Et après quelques jours, 2 semaines après, ils m'ont dit ça va coûter comme ça. Et j'ai dit mon Dieu, c'est trop cher, je peux pas. Il tourne en 2 jours. Et ça, c'est presque double le normal. Ça, c'est parce que je ne savais pas les choses que je voulais voir à l'écouter. Je préfère faire la musique, mais ça m'a bien amusé faire ça. Bon, on va. J'aime pas, il y a beaucoup de choses que j'aime pas dans les vidéos qu'on voit normalement. Voilà. J'aime pas la narrative, je veux pas une longue histoire, quelque chose. Je veux que ça montre la musique un peu et ça amuse un peu. Il y a un peu de mouvement. Vous pensez que ça, c'est une bonne image de marque de David Gilmour et de sa musique? Je l'aime bien, oui, je l'aime bien. C'est presque le même que je l'ai vu dans ma tête quand je l'ai écrit d'abord. The best of you.